Putain, je vais être en retard, ça va être super la réputation quoi. Oh non, il m'appelle. Oh, attends, c'est lui. Oui, allô? Oui, bonjour David. Oui. C'est Valentin de la SEA La Voie Lactée. Je voulais savoir où est-ce que tu en étais parce que j'ai vu l'heure qui tournait là et puis j'ai pas de nouvelles. Bah, je suis sur la route, je suis sur la route. Là, je vois un concessionnaire là au loin. D'accord, ok, t'es au niveau du concess. Bon, bah ça va, tu vas pas arriver dans longtemps. Concess, ouais. Ok, ouais. Parce que bah, c'est vrai que j'ai du monde qui doit arriver ce matin, et puis bah après, on doit bouger, on doit aller bouger. Enfin bon, je laisse tomber. Ok. J'ai plein de trucs à faire. Il y a du Bon, vas-y, boulot. bah à tout de suite! Ouais. Putain, sacré concess ici. Bah, c'est. Merde, c'était là que je devais tourner, non? Oh. Quel couillon. Merde, 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 je suis déjà en retard en plus. Bon, alors attends, où je vais aller? La campagne. Bon, allez, on va aller à la campagne, on va voir si quelqu'un peut m'indiquer le chemin. Bonjour monsieur, bonjour. Allez voir s'il y a quelqu'un. Attends, je vais toquer. Entrez. Bonjour. Bonjour, je peux vous renseigner? C'est une ferme qui s'appelle la Voie Lactée, ça vous dit quelque chose? Oui, je vois très bien où elle est cette ferme-là. Vous êtes garé loin d'ici? Non, je me suis garé vite fait au bord du trottoir. Là, vous voyez, je suis en Laguna, Laguna Blanche. D'accord, donc bah là, faudrait que vous reveniez de là où vous êtes arrivé. Et en fait, Ouais. là où vous avez tourné sur votre gauche, en fait, il fallait juste aller sur votre droite. Et en fait, c'est que vous continuez la route tout droit et vous allez arriver directement sur la ferme. Et vous ne pourrez pas la rater à la taille de la ferme, vous ne pourrez pas la rater. Très bien, bah je vous remercie beaucoup en tout cas. Vous êtes, pardon, vous n'êtes pas présenté, je crois. Oui, excusez-moi, je suis monsieur le maire. Ah, très bien, bah très honoré de vous rencontrer. Et vous êtes? Alors moi je suis David. Donc je vais réaliser un reportage vidéo pour mettre sur une chaîne YouTube bah, sur les exploitations de la région. J'en ai deux à interviewer aujourd'hui. D'accord, ben un petit peu d'animation dans le village, ça ne fera pas de mal. Bon, je vous laisse, je suis déjà en retard. Pas de soucis, je vous retiens pas. Bonne fin de journée à vous. Merci. Bon, allez, vite, 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 vite. On va tracer. Oh, c'est quoi ce camion là? Ah bon, bah d'accord. Je suis obligé de les laisser passer. Putain, comme si j'étais pas assez en retard comme ça. Il faut qu'ils me ralentissent encore plus quoi. Bizarre, il n'y a pas de panneau. Je sais pas où je vais me garer d'ailleurs. Où je vais me mettre là. Voilà. Alors, t'as assez grand ici. Vache, y a du sacré matos, hein. Je vais pouvoir bien filmer ça, ça va être cool. Ah, ils sont là. Salut. Je... Bonjour. Ah bonjour, salut. Comment tu vas, David? Ça va, ça Enchanté. va, ça va. Bah, désolé du Valentin. retard, hein. Ouais. Bon, attends 2 secondes, je m'occupe de lui. Oui, bonjour. Donc Oui, c'est pour la c'est... livraison des semences et de l'engrais et tout ça. D'accord, ok. Il est où mon salarié? Ah. Il est là. Il y a le livreur pour Les les semences, semences? l'engrais, les minéraux pour les vaches et tout. Faudrait que tu prennes le macet là, et je crois qu'il est attelé avec le bordel là pour les big bags. Et tu lui décharges, tu lui montes là, il faut qu'il rentre là, il se met devant la batteuse, et puis tu mets ça sous le hangar là en face là, juste là.
Ici là. Tu vas me mettre ça là, là. Et puis bon, on s'en occupera tout Ouais. à l'heure, on verra pour la semence pour le maïs. Ok? D'accord. Désolé, hein. Je suis arrivé en retard du coup. Ouais, bah pas de soucis, bon, c'est un peu la course ce matin, c'est pour ça que je t'appelais savoir où est-ce que t'en étais. Donc tu vois, j'étais Voilà, rendu le avec. voilà arrivé. J'ai rendu en train de sortir le fumier là, parce que j'ai les vaches qui. J'ai les bœufs là qui s'en vont. Donc, Bah écoute, moi je voilà, suis là pour un faire des peu petites images, hein, et puis. la course. Ouais. Ouais, bah oui. Bon, Bah. je vais te bobauder vite fait, et puis bah, je te fais faire un tour de la ferme. Ouais, pas de soucis. T'as une sacrée Vite quantité de fait. bestiaux là, hein. Je sais pas combien Vite, t'as t'en vu, as, ouais, mais. bah, c'est mes vœux là, on les fait partir, enfin, dans la matinée là, quand Ouais, on dans la dépeut camion matinée. et. Bon, il y a plusieurs tours, hein, à mon avis, on fera pas ça en un tour. C'est que je vais passer sur de la vache laitière. Ah! On est en train de voir avec un contrat là, avec une crèmerie, donc on va peut-être partir un peu sur de la Primostein. Tu vois, je vais monter la salle de traite là, elle est toute neuve. Ah oui, Puis bah ensuite. c'est pas grand-grand non plus. Enfin, ça va, c'est Oh, pas. bah c'est suffisant pour 50 vaches. Ensuite, bah on a un peu de matériel, hein, comme tu peux le Ouais, j'ai vu voir. On fait pas bah mal là-bas, d'hectares, j'avais vu les remorques et tout ça, donc. Un peu de rouleau, un peu de quoi faire un peu de foin. Broyeur. Voilà, on n'utilise pas beaucoup là. On a une UTA là dans le coin et puis une Kuma, mais on s'en sert un petit peu, mais pas trop. On aime bien être autonome chez nous, donc. Et t'as combien de Voilà, salariés du coup? T'as non. que un? Alors j'ai un salarié, puis j'ai un apprenti, puis un autre Ouais. qui est en vacances actuellement. Donc Ah oui, d'accord. Ah oui, les apprentis, voilà, ouais, ça peut être et utile. puis bah l'apprenti il est à l'école, donc Ouais, bah et ça. à côté de ça on a 200 vaches, 200 vaches à viande, donc on fait du veau de lait, on fait de la génisse d'engraissement, un peu de broutard. Apparemment mon voisin là, il a quoi, une cinquantaine de vaches, il a un peu de terre, il est bientôt à la retraite. Oh, le bougre il veut pas me filer ses terres, j'ai beau essayer, j'arrive pas à l'avoir. J'ai réussi à négocier un morceau et puis en obtenir un, mais je préfère, il l'a vendu T'es par passé la en force, SAFER, quoi. et puis Ouais, bah t'es passé en force, quoi. par le piston avec la SAFER, on sait bien que ça passe, hein. Ouais. T'as glissé un petit billet, petit salaud. Ouais. J'arrive à 500 hectares à la fin de la Je me permets de te tutoyer, hein, mais du coup, t'es le gros agriculteur du coin, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Si, en fait, si tu devais me comparer, tu pourrais me comparer à l'UTA, quoi. Donc, au niveau grosseur matériel, etc., on est à peu Oui, près d'accord. équivalent, quoi. On va atteler la faucheuse, et puis, bah, on va aller faucher un peu. Et mon salarié m'appellera quand la bétaillère arrivera pour charger les vaches, puis on reviendra leur filer un coup de main. Ok, ouais. Qu'est-ce que comment on tu vois la chose? Tu veux faire une prise de vue aérienne, non, c'est ça? Ouais, j'ai mon drone aussi, ouais. Ok, bon, pas de soucis. Bon, bah, moi j'enchaîne et puis bah, je te laisse gérer. Ouais, pas de soucis. Tu veux monter avec moi? Et puis, bon, comme ça, Ouais, on je vais commencer fera. avec toi, peut-être tu vas m'expliquer. Et puis, comme ça, de l'intérieur avec le drone, après, tu peux gérer le drone en extérieur. Ouais, je vais monter avec toi d'abord. Ouais, pas de soucis. Donc là, normalement, c'est bon, la GoPro est allumée. Ça va Oh vite quand même, hein. ouais, bon ça va, il faut du matériel comme ça, parce que sinon après, au nombre de vaches qu'il y a à nourrir. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, mais il faut que j'aille chez le voisin parce qu'il y a une vache qui est partie. Ah ouais, bon bah écoute, je vais m'arrêter. Il y a David, il va me déposer à l'exploitation. Je vais gérer et puis je repartirai avec le pick-up. T'inquiète pas où tu m'emmèneras et puis pour finir la parcelle. T'as qu'à aller voir cette vache là et puis je m'en occupe. Je gère. D'accord. Bon bah à tout à l'heure. À terre.
Hop, c'est bon, moi je suis descendu. Hop. Ouais, ouais du coup tu me redéposes à l'expot? Pas de soucis. Allez, grimpe! Hop! Allez, on est parti. Putain, ici il y a de la circulation. Hop, c'est bon. Ouais, il a du retard, le bonhomme là. Ouais, bah carrément qu'il est pas en avance. Bon, à plus, hein, merci, bon, merci je te dis pour à la tout, prochaine. Hein. Ouais. Et puis, bah, du coup, pour c'est simple, hein, l'exploitation de l'autre là, tu files toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Ok, bah, très bien, pas de soucis. Merci, je bon, te bah, dérange je te dis pas à plus une prochaine, longtemps. Et ouais, puis, pas bah, j'irai voir sur ta chaîne ce que ça donne. Ouais, je te tiens bon, au courant, prochaine. Pas de soucis, merci, à plus. Bonjour, je peux vous renseigner? Oui, c'était moi qui venais pour tourner une vidéo pour remettre sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai. Je vous en avais Excusez-moi. parlé, ouais, pas de soucis, on se connaît Je pas reviens vraiment. des champs et j'ai complètement l'idée ailleurs en ce moment. Donc. On s'est eu que au téléphone et donc ce matin j'étais chez l'autre grosse ferme. Oh, Je me sais pas si parlez ça pas de va lui, s'il vous plaît. t'aider. Oh, je préfère pas en entendre parler. Il me prend tout le temps la tête pour essayer de me récupérer mes champs. Vous pouvez peut-être me faire une petite présentation de votre ferme. Je vais allumer la caméra. Pas de soucis, bah, vous voyez, ma ferme se présente en deux parties. Ouais. Donc là, on va voir la première partie qui va être avec le silo qui est ici. Après, on a le semoir ainsi que le cultivateur et la charrue qui sont là. Ah oui, c'est pas grand, si je puisse me permettre. Non, c'est une petite ferme familiale. Hein. D'accord. Ah, Ah. excusez-moi, j'ai le laitier qui arrive, ça tombe bien, on va aller voir de l'autre côté. Bonjour! Salut, comment ça va? Ça va toi? Oh, ça va. Bon, c'est ma première fois aujourd'hui. Je veux savoir du coup où est-ce que je prends le lait. Alors, tu vois le bâtiment au bout de la rue, il faudrait que tu le contournes par derrière, sur la gauche. Ok, ça marche. Donc, on s'y retrouve de toute façon. De quelle année est votre tracteur? Ouah, celui-là, ça fait un bon moment que je l'ai déjà. Il était votre grand-père, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ça, nous, c'est vraiment la ferme familiale Oui, de d'accord. père en fils depuis des années. Et Vous bon, avez des enfants? malheureusement, j'en ai, mais bon, ils sont pas trop d'accord pour récupérer la ferme, donc Ah, ils s'intéressent pas à ils sont pas, l'agriculture. non, ils sont pas du tout dans le milieu, donc Ok. c'est un peu compliqué. Et puis moi, qui me rapproche de l'âge de la retraite, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir faire là. Ah oui, puis c'est garder les terres, c'est important aussi, je pense, pour vous. Voilà, ça fait depuis des années qu'ils sont dans la famille. Je voulais pas m'en séparer comme ça, quoi. Oui, la belle faucheuse. Vous travaillez pas avec le même matériel que celui de ce matin, mais c'est quand même du joli matériel. Ah, on fait nous avec le moyen du bord, et puis bon, on a qu'une petite ferme, donc. Ouais, puis d'ailleurs, je devrais pas vous reparler de celui-là, puisque apparemment il vous sort par les trous de nez, comme on dit. Ah oui, non mais tout le temps en train d'essayer de me racheter mes champs là. Pour vous dire, il a acheté le champ qui est juste derrière ma ferme là, pour Ah, essayer de me faire craquer. Donc ah oui, d'accord. vous voyez, nous on a une petite ferme, vous voyez, on a 50 vaches quoi. Et nous on fait vraiment que de la laitière. Bah, avec le bâtiment, on peut pas se permettre. Ah oui, ils ont de la place ici, hein. Vache. Ah oui, nous par contre, enfin, on a que 50, mais ils ont quand même de la place. Ça, il y a de quoi faire. Ouais, du coup, j'ai fini de charger. D'accord, bah pas de soucis, bah vous m'enverrez le virement. Ouais, ça marche. J'en ai besoin pour payer ma commande de grains de semences qui est arrivée ce matin. Donc. Ça m'intéresse en fait de voir une ration de mélange, savoir quelle quantité, tout ça. On n'a pas beaucoup de tracteurs, on n'a que deux tracteurs dans la ferme, donc Ah, je suis on n'a pas désolé, je vous autant. entends plus là, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Bon, je vous laisse attacher la mélangeuse. Il n'y a pas de soucis. Vous avez vu le tracteur jaune tout à l'heure, on va se retrouver là-bas si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous l'emmène ou est-ce que vous voulez que je charge? Bah là, moi je vais vous ramener celui-là si vous pouvez commencer à préparer un godet de l'autre côté avec De de l'ensilage? l'ensilage, comme ça dès que j'arrive, on pourra commencer à faire ça. Très bien. Ouais, parce qu'on va quand même l'aider, le pauvre. Il a l'air âgé, je sais pas quel âge il a, mais il a du courage en tout cas. Il a du courage et il a l'air d'avoir de quelques soucis là, entre voisins. J'espère que c'est pas trop grave quand même, parce que je suis pas d'ici, donc hop, attendez.
Alors, comment ça se conduit, ça? Hop là. Voilà. Voilà, j'ai failli taper le mur. Hop là, bon, allez, là on va être bon. Oh bah tiens, il arrive, donc je vais pouvoir lui laisser la place. Ouais, je vais descendre. Qui c'est qui klaxonne comme ça? Ah, je vous dis, c'est encore l'autre là-bas, là. Je vous dis, il a acheté le champ à côté de moi, il fait tout pour que je lui vende mes terres, mais. Ah, je crois qu'il vous fait des grands signes, alors peut-être qu'il veut vous parler. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Oh Sylvain! Hey Sylvain! Oh, qu'est-ce que tu veux, toi, encore, là-bas? Retourne dans ton exploitation et laisse-moi tranquille. Je te vendrai pas mes terres, de toute façon. Oh allez, saut par hasard! Oh regarde! Les deux vieux tacos qui te restent là! Je te les Et reprends pour alors? 10 000! Même pas en rêve, plutôt mourir. Peut-être te Oh! revendre. Tu parles! En plus tu me parlais que l'autre jour là que... t'avais ton fils qui voulait... qui devait venir là, mais il y connaît rien lui! Laisse un pro faire! Mais laisse-moi tranquille, laisse mes fils tranquilles en dehors de ça. Quand ils voudront venir, ils viendront, t'inquiète pas pour ça. Fais pas ta tête de con, va! Bon, par contre, tu vas peut-être arrêter de me faire chier, tu vois, je suis en plein tournage, là, j'ai un youtubeur qui est là, donc si tu pouvais me laisser tranquille un petit peu, qu'on puisse finir ce qu'on a à faire, s'il te plaît. Oh. Youtubeur. Bon, vas-y, à la prochaine, hein. De toute façon, on se recroisera. Ouais, bah, pas demain la veille, hein.